Bonsoir à tous, bienvenue dans votre instant politique, une journée très politique. Tout d'abord les premières réquisitions sur le front des raffineries, un conflit social qui se politise avec majorité et opposition qui s'affrontent sur cette question du carburant. Et puis du côté des travaux à l'Assemblée nationale, la menace du 49-3 qui se précise, en tout cas son recours a été activé ce midi en Conseil des ministres. Vous le voyez, raffinerie, Assemblée, dialogue en panne, c'est le thème de l'instant politique de ce soir, avec comme invité Clémence Guettet. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes députée insoumise du Val-de-Marne, vous êtes même vice-présidente du groupe. Face à vous, François Patriat, sénateur Renaissance de Côte d'Or, et vous présidez le groupe au Sénat dans lequel siègent les sénateurs Renaissance. Et enfin, Philippe Ballard, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National. Bonsoir à tous. On va commencer par la question du carburant, des raffineries. Première réquisition demandée par les préfets. Les leaders syndicaux, politiques également, mais syndicaux, commencent à se rendre sur place. C'était le cas, il y a à peine une heure, même une demi-heure, le cas du patron de la CGT, Philippe Martinez, qui était devant la raffinerie à Port-Jérôme. On écoute Philippe Martinez. Il y a beaucoup de conflits dans ce pays et nous allons évidemment, dès les prochains jours, nous appelons d'ailleurs les salariés des autres professions, ceux qui sont déjà en grève à continuer sur les augmentations de salaire et ceux qui n'y sont pas encore et qui sont dans la même situation à se mettre en grève et à amplifier les mobilisations dans les prochains jours. Je pense que c'est aujourd'hui cette question des salaires, elle est incontournable. Il faut régler la question des salaires dans ce pays. Monsieur Patria, Philippe Martinez n'emploie pas l'expression, mais est-ce que selon vous, il appelle à une grève générale, en tout cas à une amplification? Et à votre avis, est-ce qu'il peut être suivi par les salariés de France? D'abord, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Martinez? Il dit qu'il y a beaucoup de conflits. Et j'appelle à ce qu'il y en ait encore plus. Oui. Donc il appelle au conflit dans un moment où le pays est face à des difficultés que vous n'ignorez pas. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, une grève générale, si elle devait arriver ou ce qu'il lui recommande, serait de nature à améliorer à la fois les finances de ce pays, la stabilité, le travail, l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une grève générale alors que le gouvernement appelle au dialogue et à la solution des problèmes? Et en particulier, Mme Borne, cet après-midi, a demandé, normalement, parce que ce n'est pas l'État qui décide des salaires, ce sont les entreprises, à ce que les entreprises augmentent les salaires aujourd'hui. C'est ce qu'elle a demandé au Sénat. Privilégions le dialogue au conflit, voilà. Vous savez très bien qu'on aurait pu agir sur les salaires au moment du projet de loi pouvoir d'achat qu'on a examiné cet été. Ouais. Donc si, en quelque sorte, c'est la représentation nationale et c'est aussi le gouvernement qui peut donner son aval. Alors justement, Mme Guettet, Mme Panot, la chef de votre groupe, était également... Présidente de notre groupe, ouais. Voilà, présidente. Était également au même endroit que Philippe Martinez et elle a appelé à peu près le même discours, une amplification du mouvement. Mais bien sûr, vous soutenez ce que dit bien Philippe sûr, Martinez. Et on soutient surtout et en premier lieu les salariés qui se sont mis en grève et qui voient leur droit de grève bafoué par le gouvernement qui les réquisitionne. On l'a dit et redit, s'il y a quelque chose à réquisitionner aujourd'hui dans ce pays, c'est les super profits des mêmes entreprises. Sur l'amplification des mouvements sociaux dans d'autres entreprises. Oui, d'accord, mais vous allez me permettre. Vous allez me permettre de revenir d'abord sur pourquoi les gens sont en grève. On va y revenir. Les gens sont en grève parce qu'ils ont des salaires trop faibles et parce que dans le même temps, le PDG de Total, il s'est augmenté de 52% et dans le même temps, il y a eu 2 milliards de dividendes aux actionnaires. C'est ça la colère sociale. Vous faites le lancement de ce reportage sur le conflit, le fait que ça embête tout le monde et le fait que M. Martinez appellerait à la grève générale. À aucun moment. Il y a de très bons. Je n'ai à aucun moment dit que ça embêtait tout le monde, madame. Non, mais d'accord. Non, mais à aucun moment, je n'ai dit. Non, mais donc, de fait, il y a des répercussions sur la population de ces grèves. Voilà. Nous n'appelons moment, pas moi, à la que grève générale le monde, donc... pour le principe. Nous appelons à l'amplification de ces mobilisations parce qu'elles sont justes et parce que c'est pour une vie digne. Mme Rousseau a appelé à la grève générale. C'était sur notre antenne. Mais d'accord. Non, mais de toute façon, si jamais le mouvement s'amplifiait et atteignait d'autres secteurs, ce qui est en cours, puisque c'est le cas par exemple pour les travailleurs du nucléaire, Ouais. Il y aurait là aussi des raisons structurelles. Les raisons structurelles, c'est le fait que le travail aujourd'hui ne paie pas assez dignement et que les gens sont pris à la gorge par l'inflation et par le manque de réponse de ce gouvernement. Mme Guettet, je vous propose, Monsieur Patriat, puisque vous avez évoqué Mme Rousseau, oui. Bah on va l'écouter. Très bien. On devrait faire pression sur la direction de Total plutôt que sur les grévistes. Et on dit depuis maintenant des années que les mouvements sociaux ne servent à rien. Ben là, on s'aperçoit que ça sert à quelque chose. Moi, j'espère que ce sera l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale. Parce que là, la colère dans le pays est telle que je pense qu'il y a vraiment matière à faire, à bloquer et à changer les politiques libérales qui sont mises en place par le gouvernement. J'aimerais bien que quelque chose émerge, oui, dans le débat politique. Parce que là, la colère est telle que
il faut que le gouvernement entende à quel point ces politiques libérales de casse de l'assurance chômage, de casse des retraites, ne sont plus supportables aujourd'hui par les Français et Françaises. Monsieur Ballard, Madame Rousseau appelle à la grève générale, amplification du mouvement pour Monsieur Martinez. Est-ce que vous mettez dans ce sillon-là? Est-ce que Marine Le Pen appelle également à une amplification du mouvement social? Parce que j'ai bien compris, vous soutenez quand même le mouvement des salariés de Total. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être très rapide. On a compris à travers les déclarations de Madame Panot ou de Madame Rousseau que ce qu'ils souhaitaient, c'était un petit peu mettre la révolution dans le pays. On le vit tous les jours à l'Assemblée nationale. Deuxième point sur les salaires. On ne peut pas nier qu'il y a un problème de salaire et de pouvoir d'achat dans le pays. Enfin, celui qui le nie, quelqu'un qui n'est pas venu en France depuis très longtemps. Moi, dans ma circonscription, les gens me disent le 10 du mois, je ne sais pas comment je vais donc, finir. Donc, quand Philippe Martinez dit qu'il faut se battre pour une augmentation des salaires. Alors, vous soutenez ou pas? On peut prendre Total, on va reprendre, mais effectivement, nous on avait une solution, augmenter jusqu'à 3 SMIC de 10% les salaires sans charge patronale. Là, sur ce conflit quand même, il y a l'aspect politique. On a vécu quand même pendant plus de 10 jours maintenant un déni, voire un mensonge du gouvernement. Moi, en revenant de l'Assemblée nationale, il y a une semaine dans la nuit, lundi à mardi, on a fini à minuit, je prends l'autoroute, je vois une file de voitures, 400-500 mètres. Ils faisaient la queue pour faire leur plein. Ça aurait dû alerter le gouvernement. Moyennant quoi, après, M. Véran et plusieurs membres du gouvernement, ils n'avaient pas de problème, il n'y a pas de... Donc vous voulez dire qu'ils auraient dû procéder aux réquisitions plus tôt? Ils auraient pu, oui, parce que psychologiquement, je pense que pour les gens, ça aurait un petit peu adouci. Et puis après, pour ce conflit, rapidement, vous avez d'un côté de la table la CGT, qui, c'est une grève préventive. Il y a une augmentation de salaire de 3,5% au mois de janvier. Et là, bon, c'est une grève préventive. J'ai du mal à comprendre. Si vous soutenez ou pas les salariés en grève. On ne vous dites que leur revendication est juste. Non, on ne soutient pas, on est pour les réquisitions. Donc ça veut dire qu'on ne les soutient pas. Mais de l'autre côté, il y a quand même Total, 15 milliards d'euros de bénéfices, 3 milliards de versés, de dividendes de versés aux actionnaires. La moindre des choses, c'est qu'on peut récompenser un petit peu les salariés. Les gilets jaunes, c'est pas si vieux. Les gilets jaunes, c'est de la mobilisation sociale. J'ai fait du syndicalisme pendant 20 ans. Il y a un moment, on se met autour de la table et on négocie. Si, ça s'appelle juste négocier. Voilà, c'est pas un mot ubuesque. Vous avez voté contre l'augmentation du SMIC, vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Je vous ai fait part de ma proposition, de la proposition de Marine Le Pen, c'est une augmentation de 10% jusqu'à 3 SMIC, c'est-à-dire en gros 4 500 euros sans charge de patronale. Et vous soutenez pas les grévistes. Ceux qui sont à 1600 euros, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ou 1550? Le delta est plus assez grand entre ceux qui étaient payés. Alors, sur l'ancien SMIC et le nouveau. Je peux peut-être vous laisser vous battre, puis m'en aller, si c'est possible, ce sera mieux. Allez-y. Puisque M. Ballard a dit qu'il fallait réquisitionner peut-être plus tôt, est-ce qu'en décidant ces réquisitions, en les annonçant hier, en les décidant, en les commençant aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas finalement avivé ce mouvement? Alors d'abord, je reviens un instant en arrière, parce que faire le raccourci immédiatement entre les actionnaires et les salaires, ça ne marche pas comme ça. À défaut de faire noble, on peut faire court. Ça ne marche pas comme ça. À défaut de faire noble, on peut faire court. Et vous faites court. Bon, moi, je vais essayer de faire noble. C'est différent. Alors, je vais vous dire un peu. D'abord, Madame Panot, aujourd'hui, elle est allée voir les grévistes, M. Martinez aussi. Moi, j'aimerais que Mme Panot, elle aille voir les gens qui font la queue sur le boulevard périphérique. Est-ce que vous croyez qu'elle ne va pas les voir? Non, je ne l'ai pas vu à la télévision aller les voir. Parce que vous croyez qu'on n'a pas un mot? Je vous ai pas interrompu, non mais... Et vous m'interpellez, monsieur. Vous m'interpellez. Bon, je vous dis, je ne vous interpelle pas. Je vous dis, vous dites quelque chose qui est faux sur ma présidente de groupe. Donc je vous le dis, c'est faux. Je connais votre rhétorique. On a moins vu les images, Mme Guettet. La parole à tout le monde. Sur le soutien aux gens qui galèrent parce que, de fait, il y a une pénurie d'essence. On en a moins. J'aimerais bien que M. Martinez aille voir tous les gens qui font la queue, tous les gens qui veulent travailler tous les jours et qui ne peuvent pas, les ambulanciers qui ne peuvent pas se déplacer, les gens qui sont malades, qui n'ont plus de voiture. Mais ça, c'est votre faute, hein, c'est le gouvernement. J'aimerais qu'ils aillent les voir. Non, c'est de la faute aux raffineries qui sont fermées. Non, c'est pas la faute des grévistes, vous le savez très bien. Moi, je veux bien parler, mais c'est bon. Deuxième chose. Aujourd'hui, la question que vous me posez pour la réquisition. Le gouvernement, il a pris la bonne méthode. Si vous me dites qu'il y a eu quelques erreurs de communication, je vous l'entends. Mais il n'y a pas eu de mensonge. Il n'y a pas eu de mensonge, comme ce que je dis. Quand M. Véran a dit qu'il n'y a pas de pénurie, il a dit qu'il n'y a pas de pénurie de carburant en France, et c'est vrai. Il y a une pénurie de distribution. Il y a 10-15% de stations qui sont touchées. Il suffisait d'aller dans les Hauts-de-France. On ne va peut-être pas refaire le match d'il y a une semaine. Là, on est sur le terrain des réquisitions. Oui, mais on fait sur le terrain des réquisitions quand même. J'essaye. Est-ce que finalement, ce n'est pas contre-productif? J'essaye d'être respectueux, de ne pas interrompre mes collègues parlementaires. Bon, je vous dis. Donc, le gouvernement, il a pris une méthode qu'on peut contester, mais quelle est-elle? Dans un premier temps,
au lieu de passer en force et de réquisitionner immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « je privilégie le dialogue ». Et j'appelle à la responsabilité. J'espère que dans ce pays, on peut dialoguer, et puis que les employeurs, les salariés, puissent se mettre autour de la table dans une grève qui est préventive, puisqu'il y a des négociations qui sont prévues bientôt chez Total dans trois semaines. Donc ils ont déjà eu des augmentations. Il ne me semble pas mois. Aujourd'hui que Total, contrairement à ce que vous dites, met la main à la pâte, puisque au-delà des salaires que vous connaissez, je n'évoquerai pas, il y a des primes qui représentent 25% des salaires, et il y a eu 3%. Et quand vous dites que le gouvernement, madame... Le salaire de monsieur Pouyanné... Quand vous dites que quel est le pays qui aujourd'hui, proportionnellement à l'inflation, a augmenté le SMIC? La France, en un an, a augmenté le SMIC de 8%, l'inflation est de 6%. En Espagne... L'augmentation du SMIC, elle était prévue avant, vous le savez très bien. Non mais, elle n'est pas au niveau Espagne, de l'inflation. L'inflation est de plus de 20% et les salaires ont monté de beaucoup moins. Donc, vous nous dites que l'amplification du mouvement que promet, qu'encourage M. Martinez ou Mme Panot n'aura pas lieu parce que les Français... J'ai vu que la CGT a accepté aujourd'hui d'aller dialoguer avec la direction de Total. Et ce que leur a proposé Total, a priori, ne satisfait pas la CGT. J'espère. Mais ni vous ni moi ne sommes au sein des négociations. Donc là, on essaye d'avoir une vision politique. Et justement, Mme Guettet, j'ai envie de vous poser la question. Sur les réquisitions, finalement, est-ce que c'est contre-productif? Et ça avive le mouvement, et ça plutôt dans votre sens. Que le pari que fait le gouvernement, que l'opinion ne va pas soutenir le mouvement parce que la CGT bloque, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Bon, ça, c'est les jours prochains qui nous le diront. Là, à l'instant T, je ne suis pas capable de vous dire ce que l'opinion, de manière générale, pense. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est sur la base d'un sondage Elab, c'est qu'il y a 62% des Français qui trouvent que, oui, les conditions de travail des salariés des raffineries sont trop dures, et oui, aussi, à 62%, que les patrons, et le patron de Total en particulier, devraient partager les profits. Bon, ça, c'est une opinion, et elle est majoritaire. Voilà. C'est un sondage du jour. Et si Mme Panot s'empare de ce sujet-là, est-ce que c'est pour faire, entre guillemets, la publicité de la marche que vous organisez contre la vie chère dimanche, et que ça tombe bien? Alors là, vous me tendez la perche, c'est magnifique. Je vous demande si vous faites de la récupération politique de ce mouvement syndical. Cette marche, elle est prévue depuis un mois et demi, et je pense que vous le savez. Bien avant. Et pourquoi elle est prévue depuis aussi longtemps? Et pourquoi non, elle n'arrive pas en réponse particulièrement à cette mobilisation? Parce que la marche, c'est la marche contre la vie chère. Et parce que cette problématique de la vie chère qui touche tout le monde dans ce pays, on la dénonce depuis cet été, depuis le projet de loi sur le pouvoir d'achat, où le gouvernement et la majorité a préféré accorder des primes que des augmentations de salaire aux gens, et qu'ils tirent la langue et qu'ils n'en peuvent plus. Monsieur Ballard, est-ce que les Insoumis font de la récupération sur ce mouvement social, et est-ce qu'on peut imaginer que Marine Le Pen se rende devant une raffinerie, comme elle avait pu le faire en son temps, pour rencontrer les salariés de Whirlpool? Ah ouais, bon, je crois que c'était la candidate des ouvriers. Non, mais les thématiques ne sont pas les mêmes. Là. C'est parce qu'il y avait une délocalisation, l'usine fermée, avec des patrons voyous, et tout ça a été délocalisé en Pologne. Là, on va si pas j'entends Marine Le Pen, elle dit quand même qu'elle est la candidate des ouvriers. Comme, mais d'accord. Les deux exemples, ça n'a strictement rien à voir. C'était une analogie. Mais on comprend. Sauf que, encore une fois, il faut savoir arrêter une grève. Là, il suffit de faire les. Ben oui, moi j'ai fait 20 ans syndicaliste, ça m'est arrivé de faire grève. Puis à un moment, on arrête une grève. Là, il y a un pouvoir de nuisance qui est quand même exceptionnel. Puisse situer alors, votre là, je veux bien répondre, mais comme c'était dans votre maison où on se trouve actuellement... Avant, vous étiez chez nous, vous étiez à la TF1 aussi. Bon, quand j'ai fait grève, j'étais... donc, on va passer... Vous n'étiez pas à la CGT, c'est juste ce que je voulais vous faire dire. Voilà. D'accord. Alors, il y a eu un sondage qui est sorti sur le soutien au mouvement, là, c'est 40-40. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit un soutien massif, on ne peut pas dire que ce soit un rejet non plus massif. Quand il y a eu d'autres grèves, les Gilets jaunes, on était largement au-delà. Donc, est-ce que Marine Le Pen va se rendre auprès des... pour répondre à votre question, il faut lui demander à elle, mais je l'imagine assez difficilement quand même. Oui, mais quand j'entends, quelque part, vous dites toujours les demandes sont légitimes pour plus de salaire, c'est encore ce qu'a dit Jordan Bardal, et en même temps, vous ne soutenez pas ce mouvement. Quand Total fait 15 milliards de bénéfices, qu'il en distribue 3 à ses actionnaires, il faut quand même avoir les gilets jaunes, encore une fois, c'est pas si vieux. Les gens, alors on va nous dire, Total paye déjà des impôts à l'étranger en France, ils ne gagnent pas énormément d'argent, mais les gens ne comprennent pas ça. Ne comprennent plus quand le 10 du mois, on n'a plus de, on peut plus finir la fin du mois. Non, mais parce que là, allez dehors, quand vous voyez moi j'ai pris le taxi pour venir là, et je lui ai demandé, il m'a dit hier, j'ai fait 2h10 de queue entre minuit et 2h10 du matin pour faire le plein. Et à 6h du matin, je réattaquais ma journée.
journée. Grévistes. Franchement, vous allez pas blâmer si. Les grévistes. Si, si, là, oui. La responsabilité, elle est dans le gouvernement qui ne prend pas les mesures. Quand vous avez des centaines de milliers de personnes. Quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui attendent toute la nuit pour faire le sur les salaires et sur les super profits. Enfin, on peut introduire les super profits. Là, on peut en parler aussi. Je veux dire, c'est ça, la justice au sein d'une entreprise. Quand vous êtes en bas de l'échelle salariale, alors que le patron s'est augmenté de 52% et qu'il touche des millions par an, comment vous voulez que les gens trouvent ça juste et parfait, alors que le début du mois ressemble à la fin du mois, c'est-à-dire une galère, c'est-à-dire qu'on ne part pas en vacances, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas faire toutes les activités. C'est ça la réalité. Monsieur Patria, c'est vrai que l'augmentation du patron total, eh ben, quand on entend madame, ça peut fonctionner auprès de l'opinion. On ne peut pas balayer ça d'une revers d'une main. Bon, moi je ne suis pas en hostilité avec tous les autres qui disent aujourd'hui qu'il faut monter les salaires. On est bien d'accord, il faut monter les salaires. Mais c'est pas le gouvernement qui décide les salaires. Et le gouvernement, pour le SMIC, a pris ses responsabilités. Il a pris des mesures pour que le travail paie, comme jamais un gouvernement n'en a prise. C'est sans doute pas assez pour vous, je l'entends c'est bien. C'est sous l'inflation, donc nécessairement, c'est pas assez. Il les a prises. Mais qui est-ce qui a fait en sorte qu'en France, justement, ce soit le pays d'Europe où il y ait le moins d'inflation, donc le moins de perte de pouvoir d'achat, c'est ce gouvernement-là. Bien, je le dis comme tel. Alors maintenant, même si le patron c'est aussi total, le seul pays total, parmi nos voisins qui taxe pas les super profits. Même si le patron total, aujourd'hui, prenait son salaire zéro, vu les milliers de salariés qui achètent tout dans le monde, il gagnerait pas 10 euros de plus. Il ne gagnerait pas 10 euros. Si on prenait tous les super profits, son salaire à lui et les dividendes, je vous assure que ça irait mieux pour les salariés. L'économie marche aussi avec des actionnaires. Il faut entendre que ça choque l'opinion. Prenez-le aussi comme tel. Mais moi, bien sûr que ça choque l'opinion public. Mais encore une fois, moi je trouve ça terrible. On vient de traverser des crises. C'est ce que vous faites actuellement. Mais ça vous choque pas quand même qu'un patron, alors on ne va pas faire du ad hominem parce qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça, il y en a qui font aussi de l'optimisation fiscale pour leur entreprise, et tout ça, c'est condamnable, voilà, tout simplement. Donc, les gens ne comprennent pas. Les gilets jaunes, ce n'est pas si vieux, il y a eu la crise de la Covid, il fallait retrouver notre souveraineté, enfin touchée par la grâce, on dit oui, il faut retrouver notre souveraineté. On va finir sur ce point-là. Monsieur Patria, vous êtes des entreprises numéro un mondiale. C'est pas en disant ce que vous dites que vous y arriverez. On aura l'occasion de poursuivre ce débat parce que, évidemment, la situation n'est pas terminée. Ce soir, on l'a compris, on va passer à l'autre sujet, les travaux parlementaires. Je ne sais pas si on va faire noble, mais en tout cas, on va faire citoyen. Parce qu'il s'est passé quelque chose quand même cet après-midi. On commençait à discuter le budget et l'article liminaire a été rejeté. Première journée de discussion du budget. Et ça y est, la majorité qui est relative est déjà mise en échec. On regarde ce qui s'est passé. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votants 368, exprimés 367. Majorité 184. Pour 175, contre 192. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Madame Guettet, Monsieur Ballard, est-ce que vous étiez à l'Assemblée à ce moment-là? Et j'imagine que vous avez voté contre, puisque toutes les oppositions, RN, LR et NUP qui étaient présents, ont voté contre, ce qui explique pourquoi le gouvernement a été mis en minorité. Tout à fait. Ce qu'il faut expliquer peut-être aux gens, c'est ce que contient cet article liminaire à grands traits. C'est la programmation sur plusieurs années de qu'est-ce qu'on peut ou pas dépenser. On va dire qu'on n'est pas au cœur de la discussion budgétaire. C'est très important quand même, parce que ça donne une trajectoire, c'est quel type de budget on veut faire. Et là, en l'occurrence, c'est un budget extrêmement austéritaire que le gouvernement a présenté. Et c'est pour ça que, d'ailleurs que ce qu'on appelle la LPFP, donc la programmation, a été rejetée cette nuit aussi à l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire qu'on rentre dans ce débat budgétaire avec une configuration qui est quand même particulière. Ça veut dire qu'il y a une majorité très nette à l'Assemblée nationale qui dit que non, ce budget ne lui convient pas, pour des raisons différentes d'ailleurs, les uns des autres. Les raisons de M. Ballard, on a compris les vôtres, austéritaire. Je termine d'un mot, juste pour dire que c'est pour ça aussi que plane sur nous cette menace du 49.3. On va y venir, vous dévoilez à chaque fois le contenu de l'émission. Je vous fais des lancements en avance, vous inquiétez pas. Non mais c'est pour ça que le gouvernement fait planer cette menace, parce que ça ne passe pas. On va y discuter, mais M. Ballard, sur les raisons, puisque Madame dit que c'est une trajectoire austéritaire, vous, pourquoi vous avez voté non? Alors, entre autres, c'est parce que c'est insincère. Enfin, je veux dire, les chiffres qui sont... C'est par rapport aux prévisions de croissance. Entre autres, les prévisions de croissance. Cela dit, ce n'est pas une surprise, parce qu'en commission de finances, c'était déjà très mal passé. Donc, quand on a vu le résultat, je fais partie des 192, mais on n'était pas étonnés. Avec les collègues LR qui sont à côté de moi, on s'y attendait. Il n'y a pas une surprise. Et effectivement, ça s'ajoute à toutes ces déconvenues, parce que c'est déconvenu sur déconvenu, quand même. En ce moment, depuis hier soir à l'Assemblée nationale, le gouvernement
rituellement, est mis en minorité. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce que là, effectivement, le 49-3 est au-dessus de votre tête. On va y venir, mais on demande votre avis, M. Patriat, quand vous voyez que le RN et les Insoumis votent la même chose, ou votent ensemble, d'abord, pas ensemble, mais votent à côté, contre le gouvernement. Il y a LR, quand même. Oui, il y a LR, il n'y a pas de LR aussi. Oui, c'est important. Monsieur, voilà, oui, il y a LR, mais là, ils ne sont pas là. Donc, il y a vous, c'est tous ceux qui ont voté. Vous êtes ennemis d'habitude, ou voilà. C'est pas la question. J'essaie de vous écouter, et puis en plus, de vous donner ma part de vérité. D'abord, ce n'est pas la première fois que la NUPES et le RN votent ensemble. Ça fait déjà des dizaines de fois. Donc, je ne reviens pas. On ne vote pas ensemble, on vote la même chose. Vous votez la même chose, c'est pas pareil. Vous votez la même chose, c'est pas ensemble, on est d'accord. Mais vous votez la même chose. Donc, pour des raisons opposées, vous l'avez raison. Exactement. Et là, en particulier, qu'est-ce que ça veut dire, là, l'article liminaire? Ça veut dire aujourd'hui que la NUPES, en particulier, aujourd'hui dit 5%, on ne veut pas dépasser 5% de déficit budgétaire, ce n'est pas assez. Ça veut dire qu'ils veulent plus de déficit budgétaire. Oui. Ça veut dire plus de dettes, ça veut dire plus maintenant d'intérêts de main d'emprunt, quand on sait aujourd'hui que l'impôt sur le revenu maintenant ne va pas suffire à payer l'intérêt de la dette, on voit où ça nous amène pour demain, dans le chaos et dans le mur. C'est ça qu'ils ont voté aujourd'hui. On doit dépenser plus, c'est trop restrictif, vous l'avez dit, trop contentieux, dépensons plus, allons à la dette, allons-y. On va encore emprunter 45 milliards cette année, en prêtant 55. Ça, c'est l'argument de Mme Guettet. C'est nos petits-enfants. L'argument de Monsieur Ballard sur la sincérité. Non, mais c'est l'inverse. Alors, non, laissez-moi je veux dire sur ça quand même. Laissez-moi finir. Sur votre vision des choses, je veux juste dire quand même que nous, on peut trouver des recettes. Mme Guettet, il répond à Monsieur Ballard et après, je vous donne la parole. Très bien. Bon, pour vous, vous dites aujourd'hui, c'est insincère. Ça veut dire que dans la trajectoire, au contraire, il n'y a pas assez. Et ce que disent les Républicains en plus, c'est qu'il faut faire moins de dépenses. Donc, c'est l'inverse de vous. Donc, les trois, les Républicains, le RN et la NUPES ont voté la même chose pour trois raisons différentes. Exactement. C'est vous dire l'incohérence de la majorité potentielle qu'ils pourraient représenter aujourd'hui. L'incohérence de la majorité potentielle que vous pourraient représenter aujourd'hui. Et on a au moins on a une majorité, mais elle est relative. Vous avez une fausse majorité composite et contradictoire. Madame Guettet, voilà. Vous voulez justifier votre vote par rapport à l'accusation que vous dépensez à tout va, qui est l'accusation que vient de porter. C'est l'accusation que porte M. Patriat. Il ne l'a pas dit en ces termes, oui. Il fait noble. Vous dépensez mais, trop. Oui, moi, grosso je suis pas noble, modo, ça revenait à ça. C'est le gros rouge qui tâche, moi. On a des raisons différentes de voter contre. Mais ça, je veux dire, c'est l'exercice parlementaire, en fait. Chaque groupe dispose de sa liberté de vote. Et nous, on a voté contre, en effet, parce que ce budget, cette programmation, elle dit grosso modo qu'on va donner moins d'argent aux collectivités, qu'on va donner moins d'argent pour les dépenses de santé, alors que notre hôpital public est sans dessus-dessous, et on va donner moins d'argent pour que l'État ait des moyens pour ses services et pour ses différents ministères. Ces trois raisons, on est radicalement en désaccord, oui. C'est pour ça qu'on vote contre. On va parler on va passer au 49-3 qui est quand même une menace qui plane. On a entendu la part de Bruno Le Maire, de M. Attal. Non, on ne veut pas creuser les déficits, on ne veut pas creuser la dette. Nous, on a des solutions en matière d'économie, parce qu'on ne s'attaque pas au vrai problème. C'est en fait les économies qui sont contre. On nous dit, vous n'avez pas si sur l'immigration, sur la contribution au budget européen, sur la lutte contre les fraudes, etc. Parce que là, il y a 150 milliards de déficits, on augmente les moyens, mais il n'y a pas plus de résultats pour autant. On va revoir la copie. A priori, on a encore le temps pour discuter du budget, mais ce n'est pas sûr non plus. Parce qu'évidemment, comme il y a des mises en minorité de la majorité à l'Assemblée nationale, place la menace du 49-3. En tout cas, celui-ci, le recours à celui-ci a été activé par le Conseil des ministres aujourd'hui, parce que c'est nécessaire, c'est formel. Oui. Donc ça peut arriver là, maintenant, n'importe quoi. Ou un peu plus tard dans longtemps, au cas où. On écoute le porte-parole du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite y avoir recours. Et ça ne veut pas dire qu'on y aura recours. Mais ça veut dire qu'on anticipe la situation qui nous pousserait à y recourir pour éviter de priver la France d'un budget. Vous ayant dit cela, je ne peux pas vous dire ni quand, ni dans quelles conditions précises cela serait activé. Je vous dis juste que nous souhaitons l'éviter, mais que si nous n'avions pas le choix, nous utiliserions le 49-3, encore une fois, et c'est pour cela d'ailleurs que la Constitution a prévu ce dispositif. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Alors je vais vous interroger chacun sur l'usage du 43, assez vite parce qu'il faut qu'on parle de l'intervention du président. Bruno Le Maire était plus précis. Hein. Oui, mais là, c'est M. Véran. Donc, oui, mais dans l'hémicycle, oui. Bruno Le Maire a dit, écoutez, on va discuter encore toute cette nuit s'il le faut, demain jeudi s'il le faut, vendredi, voire un petit peu plus. Donc pour vous, c'est 49-3 le lundi, on peut raisonnablement peut-être prendre le après donc cette journée de manifestation de dimanche, ça paraît être la cible qui se précise un petit peu. Madame Guettet. Je pense qu'en effet que ça arrivera après dimanche, qui est la manifestation à Paris. Parce que l'idée, c'est que si on le fait avant, nous organisons avec la NUPES et avec des organisations syndicales. Vous dites que c'est lundi parce que vous pensez que si on le fait avant, ça serait une promotion, une publicité pour votre marche, c'est ça ?
C'est pas une question de ça, c'est que je pense que le gouvernement veut donner l'apparence du débat démocratique et que donc il va laisser discuter tout le monde vaguement pendant quelques jours, 5-6 jours sur son budget, et qu'il a de toute façon l'intention de mettre ce 49-3. Ce qu'il faut que les gens sachent aussi, c'est que si le gouvernement met le 49-3, il peut garder de ce qui s'est passé en hémicycle absolument tout ce qu'il veut ou rien du tout. C'est-à-dire qu'il peut revenir à son texte initial en disant le débat parlementaire, ça n'a servi à rien. On a posé la question 4-5 fois aujourd'hui en hémicycle. Il peut intégrer aussi des amendements de l'opposition. Ou il peut intégrer des amendements. Mais c'est une vraie question. Mais sur ça, on va être très vigilant parce que ça veut dire. Je veux bien finir, s'il vous plaît. Sur ça, on va être très vigilant parce que ça veut dire que soit le débat n'aura servi strictement à rien et que c'est un simulacre et nous, les oppositions, nous le saurons pour la suite, soit il aura gardé certaines propositions et dans ce cas-là, il mettra le 49-3 au moment où il décidera. Alors, M. Patria, vous êtes sénateur, vous observez, en tout cas pour ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui, voilà. J'étais député des 18 ans. Est-ce qu'il faut que le gouvernement, si jamais il y a 49-3, et il y aura 49-3, on ne va pas se mentir, on ne sait pas quand, mais il y aura, est-ce qu'il faut qu'il intègre quand même des amendements de l'opposition pour montrer que quand même il a tenu compte du débat? D'abord, le 49-3, c'est un outil constitutionnel qui permet de solutionner une situation sans issue. Et que personne ne discute aujourd'hui que le gouvernement puisse le faire. Ensuite, le gouvernement... Et c'est comme avec les salariés aujourd'hui, qui laissent débattre. On verra si on avance, quelle est la nature des amendements, sont-ils contradictoires ou pas, vont-ils dans un sens qui est possible pour le budget de la France, on le sait. Moi, je suis convaincu, au bout du compte, pour répondre à votre question, que si le gouvernement utilise le 49-3, et je souhaite qu'il laisse le débat se dérouler le plus longtemps possible, d'abord pour qu'on entende tout le monde, et qu'on entende les arguments, et que les Français les entendent, et que les Français aussi voient la situation dont se trouve l'Assemblée devant le blocage qu'elle peut opérer. Qu'ils le fassent, je suis convaincu que le gouvernement, vous voyez le scénario du pire, que le gouvernement reprendra un certain nombre d'amendements, sans doute de la majorité, peut-être de l'opposition, parce que la politique, il y en a qui ont été votés. Oui, c'est probable. Vous savez, j'ai vécu dans l'opposition à l'Assemblée pendant des années, j'ai fait d'amendements de reprise. S'il y a 49-3, attendez, s'il y a 49-3, la réponse des oppositions, ça sera la motion de censure, très vite. Monsieur Ballard, est-ce que vous seriez prêt à voter une motion de censure initiée par les Insoumis et par la NUP? Je vais vous rappeler ce qu'a dit Marine Le Pen. Elle avait dit si on met la réforme des retraites, un amendement, simple amendement, réforme des retraites, dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, là on votera la motion de censure. Là on n'y est pas pour l'instant. A priori, pour l'instant, ça n'y est pas. Donc là, si jamais il y a une motion de censure qui est déposée, et c'est vraisemblable, par la NUP, vous la voterez pas. On pourra déposer aussi une motion de censure. J'ai posé la même question à Mme Guy. Chacun sa motion de censure. Voilà. Mais qui n'a pas de chance d'aboutir. Monsieur Patria, voilà, sur la retraite, les Républicains ne voteront jamais la censure. On va voir. Non, mais là, on les a sortis. Voilà, Mme Guettet. On n'est pas sur les retraites. Voilà. Ça risque d'être chaud. C'est au printemps. Mme Guettet, pareille question, même question. Si... est-ce que vous seriez prêt à voter... Oui, mais je la répète pour les spectateurs qui ne l'ont pas compris. Est-ce que vous seriez prêt à voter une motion de censure initiée par le RN? À vrai dire, la question ne se posera pas, parce qu'on va déposer notre propre motion de censure qui sera co-signée par tous les députés de la NUPES et qui sera donc examinée en premier. Je veux dire une chose, c'est pas des caprices de l'opposition de déposer des motions de censure. C'est que on se retrouve dans une situation politique où on est acculé parce que on n'est pas écouté sur l'examen pour des raisons différentes, mais toutes les oppositions disent ce budget ne fonctionne pas, ne répond pas aux besoins des Français. Donc oui, nous déposerons une motion de censure et nous serons nombreux à la voter. On va maintenant évoquer l'interview du président de la République sur les antennes de France Télévisions. C'est à 20h20, hein, donc c'est bientôt. François Patria, qu'est-ce que vous attendez du président de la République qui reprenne un peu la main? On va évoquer évidemment la situation internationale, la crise ukrainienne, mais il va être aussi interrogé sur la crise autour des carburants. Vous attendez qu'il reprenne la main? Je ne sais pas, parce qu'on m'a dit qu'il y aurait deux émissions. Une sur l'international ce soir. Je crois que ce n'est pas lui qui défie le cadre. Peu importe, et dans deux semaines, c'est la question intérieure. Mais ce soir, je peux vous dire qu'il sera interrogé quand même sur la problématique du carburant et des raffineries, etc. Sans doute que s'il interroge, il répondra. Moi, ce n'est pas moi qui pose des questions. Oui. Je n'imagine pas qu'il ne réponde pas aujourd'hui. Non, mais est-ce qu'il faut qu'il prenne la main sur ce sujet-là? Écoutez, il a pris déjà la main. Aujourd'hui, il a demandé au gouvernement de régler le problème. Il l'a fait. Il l'a fait pour le 49-3 ce matin au Conseil des ministres. Il l'a fait en demandant la responsabilité aux autres. Il n'a pas un peu de retard à rattraper? Mais attendez. Moi, je voudrais quand même qu'on s'érige un peu du problème. On est au bord d'une guerre thermonucléaire. C'est comme ça. Moi, je veux bien qu'on discute des salaires, du prix, etc. Mais je relativise les choses. Ouais. Parce que si demain on ne monte pas le SMIC... les conditions de vie, Si demain les salaires ne montent pas autant que vous le souhaitez, je ne le souhaite pas, bien entendu, je souhaite que les salaires montent.
Enfin, si demain, il y a deux bombes du thermonucléaire qui... Mais je ne vois pas le rapport, Mais ça va relativiser les choses dans l'ordre de priorité. Ah ben, en effet, ça n'a rien à voir. Madame Hédé, puisque vous avez la parole, après je finis. Donc ce soir, il répondra d'abord sur ce qui est, à mon avis, l'urgence internationale, qui est le conflit qui s'envenime, qui se dramatise en Ukraine. C'est normal qu'il s'intéresse dessus. Les affaires intérieures, bien sûr qu'il en parlera. Et je suis convaincu, connaissant le chef de l'État, qu'il n'y échappera pas. Madame Guetté, qu'est-ce que vous attendez de l'interview du président de la République, y compris peut-être sur la situation internationale, puisque c'est quand même le cœur de cette interview? Sans doute qu'il aura compris que la situation actuelle mène à une impasse politique et qu'il va bloquer les prix et qu'il va taxer les super-profits. Et dans ce cas-là, on sera très contents. Si ce n'est pas le cas, on appelle les gens à se mobiliser dimanche pour la grande marche contre la Duchère, à Paris. En effet, il y a peu de possibilités qui deviennent quand même le responsable de la France insoumise. Pas tout de suite. Monsieur qu'est-ce que vous attendez sur l'Ukraine, il a été président, la France a été présidé l'Union européenne pendant 6 mois. On se souvient de ses photos mises sur Instagram. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur l'Ukraine? Effectivement, la situation est grave. Attendez, il ne faut pas minimiser. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il était à la tête de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? La voix de la France et de l'Europe, c'est complètement inaudible. Et après, écoutez, j'espère qu'il va quand même parler de effectivement ces problèmes qui préoccupent les Français. Parce que moi, je me souviens d'Emmanuel Macron en 2017. C'était la Startup Nation, la nation pro-business. 2022, c'est bienvenue dans un pays du tiers-monde bientôt. Donc, il faut remettre les choses à leur place aussi. Allez-y dans le tiers-monde, puis vous verrez la différence. J'ai bien connu, 90 pays sur mon passeport. J'ai fait un tas de pays dans le tiers-monde. Et là, on est sur une pente descendante. Quand vous parlez de dictature, attendez, c'est la même chose. Vous mélangez la dictature. Je parle économiquement, socialement, le niveau de vie, les services publics, l'hôpital public qui s'effondre, etc. Quel est le gouvernement qui a mis autant d'argent à l'hôpital public que ce gouvernement-là? La crise de la Covid, vous l'avez oublié? Est-ce que vous avez parlé avec des infirmiers, des infirmières, des soignants à l'hôpital public? Franchement, vous n'oseriez pas dire ça, les yeux dans les yeux, à des professionnels de l'hôpital public. L'ambulatoire a remplacé les lits, comme vous dites, parce qu'on a passé des chambres de deux lits à un lit. 17 000 lits de supprimés pendant la crise de la Covid. Je vous laisse à vos injures et à vos insultes. Il y a eu 17 000 lits supprimés pendant la crise de la Covid. Je vais reprendre le mantra de M. Patria. Faisons court, faisons noble, je ne sais pas, mais faisons court. Oui, par la force des choses, parce que c'est la fin de ce débat. Merci à vous tous d'y avoir participé. Merci. Maintenant, on va écouter les informés. On évoque l'intervention d'Emmanuel Macron, qu'on suivra ensemble sur l'antenne de France Info. Et après l'intervention du président de la République, débriefing de cette interview à partir de 21h30 sur notre antenne avec Alexandra Usan et tous ses invités qui seront autour d'elle, à la fois journaliste politique et responsable politique.